Si le village de Cordes-sur-Ciel dans le Tarn révèle des merveilles médiévales, il y a aussi une spécialité craquante que l'on appelle les croquants de cordes. Trop facile. Pour cela, il vous faut du sucre, de la farine, de la poudre d'amande. On mélange bien ensemble. À cet ensemble, on va rajouter un blanc d'œuf. Et on va à nouveau mixer. Lorsque la pâte est bien homogène, on peut rajouter des amandes ou des noisettes, ou un mélange des deux. On va faire des petits tas sur une feuille de papier sulfurisé. Le sucre mélangé à la farine et au blanc d'œuf va s'étaler autour, faire une petite couronne. Et lorsque la plaque est prête, on va mettre cette plaque au four à 180 degrés pendant 12 minutes. À mi-cuisson, on va retourner la plaque pour avoir une cuisson homogène. Et au bout des 12 minutes, on peut sortir les croquants, on laisse refroidir et ensuite on peut décoller pour finir de faire sécher sur une grille. Le dessous doit être craquant et c'est devenu un croquant à tomber par terre. Bon appétit !